Bon, hop là, petit face reveal, bien sûr. Vous allez voir, j'ai changé une dinguerie, messieurs, dames. Pouah. C'est vraiment, c'est un truc de fou comme j'ai changé. C'est trop grave. Vraiment, c'est... Je n'ose me montrer tellement je suis différent, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne suis pas la même personne, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ça fait très plaisir d'être en stream, ça y est, on a retrouvé, on va dire, la flamme, bien sûr, que j'étais en train d'un petit peu de perdre là, les derniers mois. J'étais un peu en mode bon. Et là, on est là, ça fait plaisir. On a la niaque, on est opérationnel, tout simplement. Incroyable, la nouvelle dame. Mais oui, bien sûr. Non, mais en vrai, si c'est... En fait, j'ai complètement déconnecté. C'est-à-dire que je me... Bon, y a des trucs qu'on pouvait pas trop passer à côté pendant que j'étais en vacances. Mais globalement, j'ai voulu vraiment être le plus offline hein, possible. C'est-à-dire regarder très peu Twitch, regarder très peu YouTube, pas trop être sur les réseaux sociaux. Et voilà, quoi. Et aussi, évidemment, ne pas me pencher sur la chaîne. Y a plein de trucs, d'ailleurs. J'ai un milliard de trucs en retard. Des trucs où on m'a posé plein de questions, des trucs que j'ai dû annuler, des trucs... bref, voilà. Je suis parti où en vacances? Alors, si vous me suivez sur Instagram, je suis parti en Italie. Au pays de la pizza, bien sûr. Je suis parti au pays de la pizza, au pays des origines de ma famille, bien sûr. Je suis allé dans le nord de... Mamma mia, tout à fait. Je suis allé dans le nord de l'Italie. Turin, Milan, le lac de Côme, San Remo. Et c'était trop bien. Non, c'était trop bien, c'était magnifique, c'était incroyable, ça m'a fait trop du bien. Parce que ça faisait vraiment... En fait, j'étais pas parti. Je pars jamais en vacances, en fait. Les rares fois où je suis parti, c'était parce que s'il y avait un truc pour le stream ou c'était juste un week-end ou un truc comme ça. Et là, je suis en mode, bon, bah, vas-y, Nick, c'est bon, on va y aller, quoi. Et c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Et là, j'ai pris, pour la première fois de ma vie, je suis allé en vacances avec ma voiture, puisque j'ai le permis depuis un an. Et du coup, pour la première fois de ma vie, ça y est, là, j'ai pris la bagnole pour aller quelque part et tout. Et c'était trop bien, parce que t'as vraiment ce côté très libre de faire un peu ce que tu veux, d'aller un peu où tu veux. Et c'était trop bien. Mais bref, c'était trop bien les vacances. C'était trop bien que ce soit l'Italie ou même de rester chez moi et de faire ma vie et de voir des gens et de jouer à FF14 aussi, bien sûr, et de faire plein de trucs. Et ça m'a fait du bien, et même ça me... Là, tu vois, j'avais vraiment envie de revenir en stream. Même, j'avais même limite envie de revenir plus tôt. Mais je me suis dit, non, il faut... profite encore un peu, tu vois. Et j'ai la chance de pouvoir me permettre de faire un truc pareil. Donc je me suis dit, allez, là, on y va maintenant. En plus, quoi, t'as le The Event. Bon, bah là, quand j'étais pas là, le The Event a été annoncé. Entre autres choses, bien sûr, qui est dans, quoi, 2 semaines, un peu moins, je sais plus, c'est ouais, c'est dans 2 semaines. Ils sont pour des associations que, dont, en tout cas, le sujet me plaît tout particulièrement. Ça fait longtemps que j'ai envie qu'il y ait cet événement autour de la précarité, de la pauvreté, de la précarité étudiante, des SDF. Et aussi aider les gens dans la ruralité aussi. Et en vrai, non, c'est vraiment bien. Je suis très content de tout ça. Et voilà, quoi. Culture Clash, bien sûr. Tout à fait. Il y a le projet de Rayou, évidemment. Projet de Rayou au Grand Rex de Paris, mi-septembre. Culture Clash, bien sûr, qui est en gros un jeu de quiz, un peu comme on a pu voir à droite à gauche. Mais sauf que cette fois, on est en pair avec un grand champion de jeu télé. Je ne peux pas vous révéler à l'heure actuelle avec qui je suis. Mais en tout cas, moi, ça me fait grave plaisir de revenir. Là, je suis vraiment très, très hype pour tout ce qui va se passer. Que ce soit The Event, Culture Clash ou même d'autres choses. Et ouais, non, j'avais l'impression avant de partir, d'être un peu en mode... J'ai l'impression d'un peu de tourner en rond, d'être moins là, d'être moins, d'avoir moins la flamme du truc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tout con, il suffit juste de se stop. Il suffit juste de se stop un petit temps, tu peux te le permettre, t'as la chance de pouvoir le faire. Et du coup, voilà, quoi. Et oui, le retour n'en est que plus agréable, je suis tout à fait d'accord avec ça.